Revenons au pays pour dire que les opérateurs économiques du MPS réunis en Assemblée générale ont pris également l'engagement de soutenir le président de la République dans son combat dans la lutte contre le terrorisme. Amadia Yabas. Les efforts du Tchad et de son armée résolument engagés avec la dernière énergie contre le terrorisme dans la sous-région et au-delà des frontières africaines resteront à jamais gravés dans les mémoires de la communauté internationale. Pour stopper l'avancée des éléments de la nébuleuse Boko Haram qui avait occupé plus de 3 ans le Grand Nord nigérian et une partie du Cameroun, il a fallu une intervention énergique de l'armée nationale tchadienne pour mettre en déroute l'aventure de Chikao et ses adeptes. Ces hommes, lorsqu'ils interviennent, savent ce qu'ils font. L'histoire retiendra que 2 mois ont permis aux éléments des forces de défense et de sécurité de libérer une dizaine de villes et villages nigériens et camerounais contrôlés par Boko Haram. L'ONU, l'Union africaine, les organisations sous-régionales et les pays victimes des actes terroristes se disent reconnaissants au sacrifice suprême consenti par le pays de Toumaï dans la lutte contre le terrorisme international. Une lutte dont les conséquences sont considérables pour le Tchad. Des pertes en vies humaines et matérielles et plus de 400 milliards de nos francs mobilisés pour la cause africaine, mieux celle de l'humanité. Qui dit terrorisme dit aussi arrêt de toute activité commerciale entre les pays touchés par Boko Haram. Les opérateurs économiques tchadiens sont au nombre de ceux qui ont payé un lourd tribut. Ceux du MPS, réunis en Assemblée générale, en sont conscients et rendent un hommage mérité aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Considérant la haute mission sanitaire dévolue à nos forces de défense et de sécurité dans la préservation de la paix et de la quiétude dans notre pays, ainsi que la recherche et la restauration de la paix et de la stabilité dans les espaces de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, et du Sahel, notamment au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Mali. Considérant les lourds sacrifices consentis par nos forces de défense et de sécurité, nous, militantes et militants du mouvement patriotique de Sali MPS, réunis en Assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des commerçants du MPS, INC-MPS, ce jour 11 novembre 2017, apportons notre encouragement et soutien sans faille aux intrépides forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Au-delà de toute considération politique, cet élan de reconnaissance de l'organisation des commerçants du MPS dénote du sens élevé du patriotisme.